Candous avec Vega. Long ballon, ça va être compliqué à moins que Hogan. Hogan qui passe, ça va finir au fond, oui. 1-0 pour l'Union Saint-Gilloise, mésentente totale dans l'arrière-garde virtonnaise. Et véritable cadeau offert à Sigurd Hogan qui a cru jusqu'au bout et qui débloque le marquoir après 24 minutes de jeu. L'Union Saint-Gilloise qui passe devant avec ce but de Hogan, le deuxième de la saison. C'est ce qu'on appelle débuter le deuxième tour sur de bonnes bases là pour un attaquant. Nielsen et Thomas, pardon, c'était pas Kevin qui, c'est Thomas qui est derrière ce ballon également. J'ai l'impression que c'est le Français qui va tenter sa chance. 65e minute de jeu. Nielsen qui s'élance le premier, c'est parti. Oh, sur la barre. Sur la barre transversale. Il était magnifique cet envoi de Kasper Nielsen. On revoit ici, superbe la trajectoire de ce ballon. Long ballon. Attention, attention, Fixel. La frappe et c'est au fond. C'est au fond, 2-0 pour l'Union Saint-Gilloise. Mathias Fixel qui achève sans doute le travail de toute une équipe qui a su se montrer patiente en deuxième période. Le point serré de Thomas Christiansen, soulagé on imagine, dans une rencontre piégeuse évidemment. Le malheureux du pire qui touche cette balle, mais c'est insuffisant. On revoit ici Hogan et le contre-favorable de la Poussin, c'est malheureux. Malheureux évidemment, mais Fixel qui fait le travail jusqu'au bout et qui prend du pire à contre-pied. 2-0 pour l'Union Saint-Gilloise, la messe est sans doute dite à 9 minutes du terme. Et peut-être ici une nouvelle possibilité de marquer un but avec l'accélération sur le flanc. Ballon remisé, la frappe de Kasper Nielsen, l'intervention de Dupire. Ballon qui sort des limites.